c'est parti pour en direction de l'Italie. Donc, on va quitter les pays de l'Est. Ouais. Après avoir fait une assez bonne visite. une assez bonne visite, hein. On a traversé plusieurs fois la Slovaquie, la République tchèque. C'est bien promené. Et puis, Bubu a découvert la Hongrie. Entre autres. Ouais, je trouve que c'est peut-être la plus réussie du DLC, je trouve. Après, c'est une question de goût, ouais, comme d'habitude. Hein, mais, Ouais, c'est vrai que moi aussi, je la trouve sympa. Parce qu'il y a vraiment tout le décor, ça a vraiment tout été bien. Enfin, ça fait plus réaliste. Hein. Oh, t'es roule. C'est rouge. Bah, grille-le, on s'en fout. Il y a à droite une délimitation de map, donc personne peut te taper dedans. Hein. Celui qui est en face, soit il tourne à droite, enfin à sa droite à lui, ou il va tout droit. Oula, quand tu mords déjà le trottoir, commence bien. Alors, je sais pas comment va être le chemin, est-ce que c'est quelque chose de facile ou est-ce que c'est des petites routes Ça, on verra bien. ça pourrait être... Alors non seulement t'as freiné pour éviter le radar, mais en plus t'as eu un freeze en même temps. Désolé, hein. Bon, vas-y, roule, vas-y, j'attends. Bah, j'y suis pour rien, hein. Non, mais là, deux fois, j'ai failli... Ah merde, là, d'ailleurs, j'ai oublié de réparer mes 3% à l'atelier, j'ai complètement zappé. Bon, là, c'est pas grave, je suis avide, mais ça va peut-être se jouer un peu sur la tenue de route, je sais pas trop comment c'est conçu au niveau des dégradations. La côte pour t'éviter, j'ai freiné, puis du coup j'ai redémarré à zéro en pleine côte. Ah, mais j'ai frisé 2-3 fois de suite, alors bah vire tes phares déjà, ça va moins faire travailler ton PC déjà, parce que ça rajoute de la luminosité que le PC travaille alors qu'on est en plein jour, quoi. Voyons. La petite rivière de tout à l'heure. Vraiment sympa par là. On va revoir tout le décor que t'as loupé tout à l'heure là. Hein, t'as été concentré avec mon cul. Ah, j'ai pris la brune quand même. J'ai ralenti mais pas assez. Je me suis fait avoir de 2 km. Mais c'est ça qui est dommage dans ce jeu, c'est de pas faire des... Enfin, ils arrêtent de faire des amendes, enfin des tarifs variables. Je prends l'exemple, c'est les mecs qui font les cons à 140. Voilà, ils se prennent le même tarif que toi, t'as dépassé 2 km/h. Alors que les mecs ils roulent 50-60 km/h de trop, et puis c'est le même tarif, quoi. Ils devraient faire voilà, un truc variable, quoi. C'est plus t'es prêt en... Ah. Aïe. Plus un peu comme dans la réalité, quoi. Plus t'es prêt en flagrant délit, plus grande vitesse, et plus
l'amende est chère. Plus c'est cher, ouais. Ouais. Parce que là, c'est débile. 550 euros pour 2 km heure de trop. Je sais pas, mais dans la réalité, ouais, tu vas te bouffer quoi, une petite amende. C'est pas comme si que t'étais flashé avec 100 km heure de trop et puis que et puis qu'on te retirait non seulement tu te bouffes une amende mais on te retire des points du permis quoi. Ah les maisons c'est sympa hein. Superposées comme ça là-haut. Ah, c'est franchement j'adore. C'est vraiment là, tout ça, ça va nous manquer quand on va retourner dans les pays de base là. C'est... on va dire ouais, il y a des champs partout, il n'y a plus de maison, il n'y a plus rien. Ouais, tu fraises plus que tout à l'heure, je sais pas ce que t'as. Tout à l'heure tu fraisais pas autant que ça. Tout à l'heure c'était nickel quoi. Je comprends pas, j'ai rien touché. T'aurais peut-être dû, avant de démarrer, déco roco, quoi, histoire de mieux te resynchroniser que le serveur, quoi. Ah, c'est vrai que tout à l'heure, j'avais des pas mal de petites déco. Non, pas déco, des mini lags. Mais. Des synchros, voilà, je cherchais le mot. Ah, des synchros, c'est pareil, c'est là que t'es plus connecté, quoi. Ça faisait, bah, si ça s'arrête, ça reprend ça. Enfin, ah, bref, ça... Des synchros, c'est quand t'es plus synchronisé entre, par exemple, C'est bug. Entre deux PC, voilà, s'il y a une désynchro, les deux PC sont plus synchroniser ouais. En même temps. Ça représente quoi les grandes tours avec les boules? J'ai jamais compris ce que c'était, parce qu'il y en a un peu partout. Ah, c'était des stations de réserve d'eau, je sais pas. Des châteaux d'eau? Ouais. T'es sérieux? Je pense, ouais. Ouais, bah, ce serait Space quand même. Surtout que là j'en ai croisé deux, il y avait un à gauche, un à droite. J'ai besoin de deux châteaux d'eau dans... Excellent. C'est tu sais pour comment on appelle ça, des espèces de petits quais là pour les tout petits bateaux, petits bateaux pour 2-3 personnes là. Ça c'était sympa. Voilà, moi qui a répondu. Hello man. Bon. Là, on va tourner à droite, là. Si tu connais ta droite. Bah, heureusement. Ah, parce que comme avec tes clignotants, il y a eu une période... Bon, ça, tu le fais plus, mais il y a eu une période où... mettez le clignotant d'un côté pour tourner de l'autre quoi. Ouais mais c'est moi en les mettant sur le clavier j'y savais un verre. Enfin, voilà, bref. J'ai un peu merdouillé et ils étaient un poil inversé.
Alors, résultat, je faisais pour moi clic gauche, bah, ça allait à droite, et puis vice versa. Donc, moi, expliquer qu'il fait rien, qu'il fait pas de bêtises. Hein, il est juste à bidouiller les fils pour mettre correctement les oui, choses. Voilà, j'ai inversé les fils, et puis c'était bon. Oh bah rien. Hein. Voilà, j'ai un gros freeze. J'ai un gros freeze là. Ouais, je suis pour rien. Hein. Tu nous fais des freeze à l'amical, ce con, j'y crois pas. Hein, faudrait trouver une aire de repos, tu déco, tu te recours parce que. T'as été tout droit au fait ? Oula, oula. T'as été où ? Tout droit ou ? Là j'ai tourné à droite. Ok. Voilà, il y a le ciel qui s'assombrit, me dis pas qu'il va refloter. Ouais, j'ai rien, mis à part que mon camion a fait du deux roues, mais à part ça, t'as loupé ça. J'ai vraiment l'impression que ça s'assombrit. Je crois que ça va flotter pour moi. Dans très peu de temps. Dans mon pauvre camion. Ah, 5%. Moi je passe, tu vois, attends, on va passer à la frontière. Moi je vais couper le pied parce que je sais pas si c'est pas ou pas. Là, je devrais bientôt te voir. Ah, bah, je vais à la station au service. Je suis à 300 mètres de ça va la frontière. Je te vois au fond là, je te vois de... Ouais. Et à ce moment-là, moi je vais faire une ellipse, faudrait que tu découvres au recours. Ah bah il flotte. Ouais, tu vois, je m'en doutais. Je le sentais que ça allait venir le flotte. Hein. Ouais, je fais une ellipse. Heureux. Ouais. Du coup, il a enfin réussi. Il reste plus qu'à voir ce que ça donne. Au niveau des frises, si c'est mieux. Parce que je vais, ah, je vais... non mais je vais faut que je change de merde faut que je sorte quoi, faut que je tourne à gauche apparemment. Ça fait, je t'ai rejoint. Tu me vois là?
putain de merde. Je suis pour rien. Ah, il y a le mec qui l'a évité, mais juste F quoi. Il a fait exprès de... Ah, j'ai pas fait exprès. C'est le... Ça a lagué, du coup ça... Je sais pas, il s'est déporté d'un coup de truc. J'ai rien compris. C'est trop serré. Flotte avec un bon brouillard. Ah bah moi c'est en train de se calmer, je vais bientôt pouvoir arrêter les essuie-glaces. Il y a un joli soleil. C'est limite inconduisible tellement que c'est... Je reste seulement du mec. J'ai déjà fait part tout à l'heure. Ah oui, non, mais là, il est parti en... Bah déjà, il y avait un petit pont. Il y avait aussi un moi qui était un peu en tort aussi. C'est que j'étais en train de reculer de quelques mètres pour que... Ah putain, encore mon fonctionnement du moteur. Mais redémarre. Ah putain, comme il en chie à redémarrer le moteur. Quand j'ai vu que tu t'étais viandé, je me dis bon, à tous les coups il va reculer et tout pour se remettre droit et puis mieux prendre la bretelle. Je prends la bretelle à droite. Hein. Ouais, je te vois. Oh putain, ça recoupe encore. Oh putain, si ça coupe tous les 10 mètres. Oh, il a arrêté le mec en face. Il a peut-être loupé la bretelle. Peut-être qu'il devait tourner comme nous. Ouais, alors... Paul qui a pas eu de pète. Ouais, alors comme je disais, j'étais en train de reculer de quelques mètres pour que... Ah bah moi aussi, tiens, j'ai le moteur qui s'est arrêté. Pour que toi, tu puisses faire tes manœuvres, quoi. Et puis le mec, du coup, il a pilé pour m'éviter. Mais toi, t'étais encore plus en travers. Alors du coup, il a pilé en... Il s'est carrément jeté sur la voie de gauche. Il a essayé de se rabattre pour reprendre la bonne voie, mais un peu comme toi tout à l'heure en off. Mais il a évité de justesse le lampadaire, quoi. Le mec, il a dû se faire. Bon, en même temps, si les mecs n'arrivaient pas comme des tarés aussi, s'ils roulaient normalement, si c'était un mec qui avait débridé, voilà, qui roulait à 140, s'il roulait à des allures normales entre 80 et 90, ça n'arriverait pas ce genre de conneries. Ah mais on a l'impression qu'ils ont, tu sais, une fourgonnette, qu'ils peuvent rouler à 140 sur l'autoroute pour faire des livraisons chronopost. Ils comprennent pas que c'est une simulation de camion, quoi. Camion. Putain, les mecs, ils veulent rouler à 140, 150, avec en tractant du 25 tonnes. Non mais allô, quoi. Mais... Je suis d'accord avec toi. Après, je peux comprendre que ça donne des sensations fortes et tout, mais qu'il fasse ça en solo à ce moment-là. Ouais, faudrait que je trouve une petite ville à proximité. Ah oh. Pareil que moi, non? Je vais regarder ça. Ah bon, on est assez loin d'une ville. Hein. Ouais, puis notre objectif est à 490 km. On n'est pas encore arrivé. Ah mon dieu. Bon,
Ça veut dire que tu peux encore plus... Ah, merde. Ah là c'est de ma faute. Ça veut dire que je peux encore plus... tu peux encore plus bousiller mon camion, ça veut dire. Ouais. Ah, comme moi je suis la brume et la flotte, je vois plus rien, je sais même pas si t'es derrière moi. Ouais, je suis derrière. Je vais même ralentir un peu. Oh putain, qu'est-ce que j'ai pris cher. Chance, hein. Ah bah on va faire une pause à Graze pour les réparations puisque on va à la passe devant, hein. Tu me suis et puis en sortant de Graze, bon bah tu repasseras devant comme c'est toi qui as le GPS. N'oubliez pas, faut qu'il se relance. Hein. J'ai beau avoir 700 chevaux, j'ai quand même coupé les pattes. Hein. C'est de la descente. Ouais, il va reprendre, mais là, je te vois presque plus. Mais bon. De toute façon, grâce, ça dit tout droit, alors. À droite à XX XX si tu veux. Ça peut être sympathique. Oh, mauvais fonctionnement de moteur. Bon, ça j'ai pu redémarrer. Et je rattrape assez rapidement. Ah mais ça va me faire ça tous les 2-3 km. J'ai l'impression qu'on va le traverser grâce parce que moi mon GPS pour l'instant. Ah bah il va te dire de. Il va pas te dire de tourner, il va te dire d'aller tout droit, mais on, nous on va tourner pour le prendre grâce. D'après le. C'est collé quoi, c'est collé à la route. Donc, ouais, je sens que je vais pas faire fortune là. Tiens, grâce à droite. 6% de dégâts sur la cabine. Oh, je suis dingue. C'est la cabine, ça va. Non, la remorque. Ah, la remorque. Ouais, c'est vrai que ça va pas. Ouais, enfin, on verra quoi. Ah, bah là, ça. Je vais prendre une fessée. Hein. J'ai pris la bretelle de droite. Hein. Okay. D'après le panneau, c'est marqué Graze. Et d'après le GPS, on est bien en direction de Graze. Je vais même dézoomer. Voilà. Encore à peu près 3 km, 3-4. Ah bah j'ai l'impression que ça a l'air de... L'atelier de réparation a l'air d'être à l'entrée, tiens. Ah, c'est bien. On va pas trop s'éloigner comme ça. Bah, on va pas se taper 10 000 feux rouges pour aller à un putain d'atelier quoi. Mmh. Ah, je suis traumatisé des feux rouges. Franchement, j'en ai ras le bol. Ah, coupure moteur. Il faut tourner à droite. Et après, gauche. Ok. Bon, alors. Attention, ça va faire mal au... Oh là, j'ai eu un freeze. Ça va faire mal au portefeuille. Préparation. 43 822 euros. Maman. 43 000 euros. Ah. Et moi, c'est quoi le verdict de l'histoire? 21 000 euros, quand même. Quand même, hein. J'ai eu bobo. Oh putain.
À moitié. Ouais, mais t'es riche. C'est genre le mec il pète un phare sur sa Ferrari. Mais c'est pas grave, t'es milliardaire, hein, tu t'en rachèteras une deuxième, t'sais. C'est pas une question d'être riche sur le compte en banque, c'est une question que le fric qui barre bêtement, ouais. Ouais, c'est un peu couillon, quoi, parce que là, c'est pas dû à une mauvaise conduite ou de faire les abrutis, là, c'est vraiment, voilà, entre la connexion et puis la stabilité du serveur, voilà, quoi. Bah, tu me suis, t'es prêt ? C'est bon ? Oui. Allez hop. Allez, vas-y avec ton béton là. Bah le béton, il va pas être beau à voir, hein. C'est pour faire des fondations ou je sais pas quoi. Bon bah demi-tour. On fait demi-tour. Voilà. 43 000. Aïe. Alors. Ça dit pas que j'aille voir au truc à côté s'il n'y a pas un truc vers l'Italie. Vas-y, j'attends là. Ouais, enfin bloque pas la route, mets-toi dans un endroit qui, si jamais ah, je peux pas. S'il y a un taré, toi qui arrive à côté. Il me propose Dijon, Genève. Ah, il me propose que ça. Il me propose la ville suivante, j'en ai rien à branler. Dijon c'est trop loin, Genève c'est trop loin, Rostock c'est même pas la peine. Moi il y a que dalle. Bon, je suis bon pour me faire un demi-tour à... Ah punaise, quand c'était moisi comme idée. C'était moisi comme idée. Enfin bon, oui et non, parce que ça se trouve j'aurais peut-être trouvé un truc en Italie, qui sait. Ah oh. C'est, vas-y. C'est limite à 50, hein. Tu l'as toujours ta flotte? Non. Ah. Profiter de la c'est terminé au moment que on est rentré en un truc de réparation. Ah. Ça se trouve c'était il flottait pas, c'était des fuites d'huile et puis une fois le camion réparé, tiens, il flotte plus. Non, il était pas encore réparé quand ça s'est arrêté. Je rentrais. Il va mieux là, il marche mieux. Ouais, moi depuis avoir des coupures de moteur déjà c'est mieux aussi. Alors tout droit. Marche tout droit. C'est fini. Bon. Ouais. Bon, on va bientôt se retrouver dans des paysages, tout ce qui est plus classique
base quoi. Des champs, des prairies, des champs, des prairies, des champs. Hein? Les pays de l'Est vont beaucoup me manquer franchement. Oh, on va y retourner. Oui, maintenant que t'as acheté un garage, on va qu'on pourra facilement facilement y retourner le plus tôt possible. De l'autoroute, de l'autoroute, de l'autoroute. Bon, de temps à autre, un petit tunnel. Hein. Oh, c'est beau. Oh, ouais. Non, mais j'avais vu qu'au début, c'était quand même bien fait. Alors, bon, maintenant, j'ai pris l'habitude de les voir. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils sont quand même relativement bien représentés. Bon, ça dépend lesquels. Ils sont bien faits. Hein. Ça dépend lesquels. Il y en a un enfin, il en a tellement des tunnels, je serais incapable de dire lequel. Mais non, ça va, il avait l'air... enfin, il était beau, quoi. Comparé à tous les autres. Là, et puis il y en a certains, je sais pas, niveau lumière, c'est trop abusé, quoi. Enfin, quand je dis lumière, au niveau de la déco, la décoration, là, les lupiottes, là, c'est... On a l'impression qu'il y en avait un tous les 10 cm, quoi. Voilà. Ah, ça se passe bien derrière. Tiens, regarde, un avion. Je vois pas d'avion. Je vois une montgolfière très très au loin sur la gauche. Ouais, j'ai vu un avion. Vous avez progressé, vous êtes maintenant au niveau 41. Ah, à force de gagner 50 XP tous les 100 km, là, je suis passé niveau 41. Yeah. Ça m'aura coûté 43 000 euros, mais... Ça fait cher le grade, hein. C'est clair. Alors, qu'est-ce qui pourrait bien manquer dans ce jeu-là, à ton avis? Parce que, bon... Des filles de joie. Que dans les nouveaux pays, ils ont pas pensé à en mettre un tout petit peu en Allemagne, enfin les autres pays quoi. Voilà, je me suis un peu trop rapproché de toi, je vais freiner. Bah, pour l'instant j'ai pas relagué depuis un moment, ça va. Alors on a croisé personne, à part le mec à l'arrêt, là, et encore, il a fait ping 0, comme si qu'il était pas sur le serveur. Et il était peut-être en plein freeze. Oh, c'est une belle montagne, ça. Ah oui, ils font toujours des trucs comme ça, quand on arrive à un tunnel. Ah là 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 là. Puis là par contre c'est l'inverse, tu vois, il n'y a pas de... Je vois pas d'ampoule, à moins que ce soit les espèces de petits trucs carrés sur les côtés là. Et pourtant ça paraît vachement éclairé quoi. Ah, c'est en haut des lumières, au milieu. Ouais.
bien fait le truc là. Ouais, parce que finalement, ce qu'ils ont intégré dans, le DLC, finalement, ce qu'ils ont mis dans les autres pays, enfin les pays de base, enfin du jeu de base, hein, c'est juste les planches de, bois et de temps en temps la machine là qui... Je crois bien que c'est la seule chose qui, dans les ajouts qu'on voit dans les, pays de base, quoi. Oh, le joli lac! Oh la vache, ah, c'est bien fait. Oh. Ah, passer la frontière. On arrive en Italie. Ah, il y a une péniche tout au loin. Sympa. Là, on est arrivé en Italie, quoi. Oh, on va pouvoir se prendre un cappuccino. Ah, c'est pour vite. Et puis, c'est un petit creux, une bonne petite pizza. Oh, je pensais à, une bonne lasagne. Hein. Bon, en tout cas, ça, la route n'a pas été très compliquée pour toi. Hein. Non, non. Ah, là, je suis de droite. Ah, franchement, j'aime bien. Du coup, à force de lever le pied pour regarder le décor, j'étais un peu perdu de vue, mais là, ça va, je te rattrape. Là, ça, fait un peu l'épisode visite touristique. Alors, à votre gauche, vous avez... de pizzaiolo. C'est un petit peu serré, quoi, bien. Ah bah si, on regarde, il y a des bébêtes. Et voilà les vaches. Elles sont en train de goûter. C'est sympa. Ah bah les voilà, enfin. J'ai pu les filmer. Parce que jusqu'ici, je les voyais en off, mais jamais qu'on se faisait des, EB, quoi. Et voilà mes petites vachettes. Mais il va plus y avoir d'arbres à force de, découper des... Il n'y a déjà plus assez d'arbres. Ah, un péage. Bienvenue en Italie. Ah, je sais plus si c'est cher, non. Non, en Italie ça va. Le péage est pas très cher, mais par contre c'est l'essence qui est chère en Italie. J'espère que t'as pensé à faire le plein avant d'aller en Italie. Ouais. Donc là j'ai acheté deux garages, c'est ça? Ouais. Il va falloir que je mette des camions là-dedans. Oh, pourquoi des camions? Tu peux y stocker de la drogue. Ah, va sniffer les, tournesols. C'est là, c'était tout droit ou tout droit? Ah bon, bah j'hésite. Bon bah j'ai choisi tout droit. Ah. Bon, en tout cas pas un chat dans le coin, c'est clair. Il peut y avoir beaucoup de monde. Où sont les phares? Ah là... C'est quoi comme chant, le truc vert là?
colza. T'es sûr? Ouais. Ah si, y'a un mec. Ah merde, j'ai pas le temps de... Deux. Salut, y'a du monde. On est plus tout seul. Ah, il quitte l'Italie quand nous on rentre dans l'Italie, quoi. Ils se sont barrés parce qu'ils se sentaient seuls, pas de bol, nous on arrive. Pas faux. J'ai un petit lag. Ouais, il y a un mec à 450 mètres de nous. 300 mètres. Ah bah c'est en face. C'est le grand convoi là. On rentre tous à la maison. Je sais pas si c'est des mecs qui se connaissent ou c'est une pure coïncidence. Ah. On va arriver en ville, il y aura plus personne. Ça qui viennent, ils vont là où on, nous on était. Bon, on a un autre péage qui arrive. Tout à l'heure on a pas le ticket, donc là c'est... Là c'est la douloureuse. Bon, ouais, yep. Il reste combien de kilomètres en fait? Bonne question, 79. Ah ouais, ouais, ça sent bon, ça sent bon. Parce que là, de l'autoroute comme ça, moi, je m'endors, quoi. C'est pour ça que je préfère les pays de l'Est, quoi. Là, voir du bitume partout, pratiquement que de la ligne droite. 17. Oh, bon, ça va. J'ai dit que les péages, c'était pas très très cher, mais ils se rattrapent peu sur l'essence, hein. Et toi, va dans mon rétro. Ouais, j'entends ton si, hein, mon cœur. J'ai des pneus coudillères, t'inquiète. D'ailleurs, regarde quand ça accroche bien. Ouais, t'as, ça accroche tellement bien qu'on va être accrochés ensemble. Bon, ça y est, t'es fini de faire jouer avec ton klaxon. Et t'as calé? Non. Freiné. Ah. C'est vrai que là, je suis bloqué à 89. Alors. C'est vrai que... Ah, c'est ce que je tire, hein, ça pèse quand même. Hein. Regarde, attraque-le. J'en ai... C'est le troisième ou quatrième que je croise, mais j'en ai jamais vu un en train de fonctionner. Il n'y a que les moissonneuses qui nous ont fait une animation. C'est vrai qu'on les voit pas labourer ni quoi. C'est vrai que c'est un peu... C'est un petit un plus, mais, c'est un peu light, quoi. Surtout que les animations, c'est pas... Je pense pas que ça soit le truc qui... Ça m'a l'air un peu bosselé. Ou alors c'est un bug, mais... Soit c'était bosselé, soit c'était un bug. Non, ça ressaute. Ah bah c'est le mec tout à l'heure, ça. Il y aurait... Kylian, non. Oui. Tu sais qu'il était tout seul là quand on est arrivé, il y avait un mec tout seul là, je sais plus quoi. Quoi, en Pologne? Ouais. Ouais, non, il s'appelait pas. Ah, Kylian. Je me suis trompé. Fallait tourner. Ouais. Ah, la buse. Ouais, bah attends, on va essayer de rattraper.
Ouais, tu... Ah, puis on va se taper un péage à cause de toi. Alors on l'aurait pas eu si on arrêtait de tourner. Ah, sauf que... si on fait demi-tour avant. Ouais, au péage, normalement... enfin, je dis bien normalement, on devrait pouvoir tourner avant. Il n'y a jamais des... enfin, il y a toujours un petit espace pour... La triple buse. La triple buse. Et où sont les chiens drôles? Tiens, on redescend là. On redescend là à droite. Apparemment, on descend de la première à droite. C'est serré par là. Wow, wow. Ah, il s'est pas bien dit. Oh zut. Là j'étais bien placé pour filmer. Non mais c'était sorti hein. Un truc à droite, un truc à gauche. Ah, un feu. Il y a longtemps. Ah, tu vas aimer, pile poil sur une côte, dis pour repartir, tu vas être content. Ouais, ça, je suis à vide. Ah, par contre, faut mettre le frein à main parce que. Une fois à l'arrêt, j'étais en train de reculer. Ça re. Aïe, 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 aïe. Frein. Le frein de parking. Oui, frein de parking. Oui, pas mal. Là, c'est plus ou moins frein à main. Ouais, ouais. Là. Découverte de Venezia, ma chère. T'es souhaits. Oui, voilà. Ah merde, je me suis gouré encore. Ah putain. Oh là 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 là. Ah, il y a un mec devant. Ah, enfin, devant, derrière. Il est passé. Il est en train de te passer, là. Il y a un deuxième mec. C'est bon. Reculer, puis au dernier moment je fais wow, y a un mec, j'étais dans le... peut-être que je gêne. C'est quoi pas pourquoi j'ai voulu tourner là, hein. T'as une grosse flèche en plus qui me dit d'aller tout droit. Faut essayer d'arriver. Voilà, c'est loupé. J'ai l'impression que plus t'es pressé, plus plus le trajet est long quoi. Attention feu. Ah. Si vous pouvez lire ça, c'est que vous êtes trop près. Ah oui, d'accord. Comme par hasard, il est en rouge. Il y en a dans le tuyau celui-là. Bon, ce garage-là, tu l'achètes? Plus assez. Rentabiliser la, déjà ce que j'ai acheté après. Encore un panneau qui me dit qu'il disait attention. Oh, celui est vert, vite, roule, 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 roule. Ouais, mais on tourne là. Ah, roule, 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 je veux bien, mais. Oui, bah... Ah, j'ai trop serré. Au limite que je me fous sur la deuxième voie pour pouvoir tourner. Je crois qu'on va au même endroit que lui. Ouais, c'est... Attends.
Ah, c'est sympa comme oui, ça. Il est calé. Les camions, il a calé. Ah, ça m'est déjà arrivé, hein, même un camion qui est pas abîmé. Bon, c'est rare ici. Ouais, mais... On va au même endroit que lui. Bon, il est le premier arrivé, hein. On va le laisser se garer, il est gentil. Par contre, je sais pas si je peux passer, moi. Oui, impeccable. Bon, bah on va valider là-dessus. Moi je dis GG. Bon, je suis triste d'avoir quitté le pays de l'Est, mais bon, ça fait du bien aussi de l'Italie. Je trouve que qu'ils ont bien bossé. L'Italie aussi, il est sympa, quoi. Allez. GG. Non. Ouais, GG, ouais. Deux heures après.